Hey, salut tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode tant attendu ou pas de Marwa, Caleb et leur petite chatounette Nabishima. Alors Marwa a décidé de se faire un tour. Et Marwa, elle est maintenant hyper HD, n'est-ce pas? Grâce à... Oula, il n'y a qu'une paille qui vole. Grâce à la beauté de... Du nouveau télé, du nouveau téléphone. À la beauté du nouvel ordinateur, n'est-ce pas? Alors, effectivement, notre petite Marwa, on l'a pas vue depuis un moment parce que c'est vrai que la partie de Marwa, elle était affreusement buggée, enfin buggée, si on veut. Elle était très très ralentie. C'est devenu vraiment injouable. J'ai essayé, hein, j'ai essayé de vous faire un épisode, mais c'était vraiment clairement insupportable. Donc j'ai décidé de mettre en pause avant de recevoir l'ordinateur que donc nous avons ici. Et c'est pas plus mal, parce que voilà, maintenant je peux enfin jouer tranquillement à cette partie. C'était vraiment la partie spéciale Marwa qui me merdait à ce point. Qui était vraiment pleine de frises. Alors je pense que parce qu'ils habitent en ville et qu'en ville il y a plus d'animation, il y a plus de personnes que dans un petit quartier des autres coins en fait. Entre ici, tous les gens qui se baladent, je pense que c'est ça que ça ramait à mort. Mais c'était bien dommage, ça m'a bien agacée, surtout que au début ça allait bien et ça s'est aggravé fortement. Dans le temps, surtout depuis la donne chien et chat, c'était vraiment injouable. Bref, c'est du passé. Maintenant, on est dans le futur. On est dans le turfu avec Marwa. Marwa, elle est pleine d'énergie et il est 22h30. Bah ouais, et ben vous savez, moi, il y a un moment donné, comment dire, comment ils vont d'ailleurs? Je vais même pas regarder. Ah, un petit peu de faim. Bah tu vas venir là, Calebou? Viens. Elle est partie, qu'est-ce qu'elle est partie faire? Ok. Elle court vite, hein, la saloperie. Elle a trouvé de l'argile, elle va pouvoir faire des mimuses. Ok, donc non, en fait, voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Oui! Calebou, il a une barbe. Ouais, voilà, j'ai craqué. J'ai craqué, je lui ai fait faire une barbounette. Regardez comme il est beau. Regardez-moi ce mec. Alors, évidemment, la barbouze, j'aime ça. Mais voilà. Ça lui donne un côté un peu plus... Un peu moins lisse quand même qu'avant le truc baroque. Bon, il fait vraiment mec quoi, bon. Avec son temps, voilà. Donc c'est cool. Je voulais dire quoi? 22h30, ouais, ils vont aller s'amuser un peu, je pense. Ça fait longtemps, ça fait longtemps. Je voulais faire le mariage, mais je sais pas si on va avoir le temps dans cet épisode. Je ne sais pas. D'ailleurs, on est dans quel coin là? On est juste. On est en bas de chez eux ou quoi? Je sais plus. Si, je sais pas où on est. Non, c'est pas en bas de chez eux aussi. Voilà, je suis complètement paumée. Je ne sais plus. Ah bah oui, si, c'est en bas de chez eux. Bah pourquoi je pouvais pas le sélectionner? Ils me font faire n'importe quoi, ces Simpsons. Oh là là. Tout va bien! Ça y est, j'ai trouvé, j'ai compris. En fait, j'étais pas dans la... J'étais dans la partie, mais j'étais pas dans la maison. J'étais chez les voisins ici. Je leur ai ajouté une famille. Des voisins. Voilà, et en fait, je sais pas pourquoi. Ils étaient là, chez les voisins, au lieu d'être chez eux. Et du coup, ils étaient dans le quartier. Enfin bref. Ils étaient dans le même quartier, mais ils étaient pas chez eux. C'est très logique. J'avais pas tout compris, surtout que j'ai juste installé les voisins. J'ai jamais demandé à ce qu'ils aillent chez eux. Bon, Marwa, elle est déjà en train de peindre, c'est très bien. Je voulais les faire sortir un petit peu. Elle va bien, Pépette? Tu vas bien, ma Pépette? Tac, tac, on va éteindre ça. Tu vas boire un coup. Marwa, tu vas boire aussi un petit peu. Ah bah, la fifi, elle est là. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, ma fifille? Non, j'ai perdu espoir de lui faire faire des gosses à cette chatte, hein, parce que bon, j'ai compris que c'était très compliqué dans les Sims. Et avant, à moins d'avoir tous les 15 000 chats autour dans notre propre foyer, c'est un peu compliqué. Hein. C'est un peu débile d'ailleurs, ce qui est dommage.
Je comprends pas forcément ce choix, mais cette complication à faire des chatons et des chiots. Mais bon. C'est les Sims, hein. Peut-être qu'ils nous font une mise à jour avec quelque chose de mieux, hein. En tout cas, je l'espère. Alors, on a récolté ça. Toi, non, enfin, on a fait évoluer. Mais arrêtez, vous allez trop vite. Déjà, dans ce PC, il avait déjà du mal à vous suivre, mais là, ça va pas mieux. Allez, on va se balader au karaoké. Moi, je dis. On va aller se balader. On va s'amuser. Faire les fous. Et voilà. On est arrivé. Hello, t'as fait ses abdos, tout va bien. On est arrivé au karaoké. Alors, on va commander. Et présentation amicale. Et on va. Plus de choix. Commander une boisson. Pour le groupe. Et on va prendre. Eh, on va prendre le truc plasma là. Ça pourrait être sympa. Mais si je dis pas de conneries. C'est la voisine que je leur ai installée. C'est ridicule. Qu'est-ce qu'elle fout, barmaid? Ouais, alors voilà. Ça, c'est la voisine que je leur ai installée. Avec son mari et ils ont deux enfants. Oh, méchant mignon chez Petit Sims. Il n'y a pas trop de monde dans le karaoké, hein. Invité à rester dormir. Vivez ensemble. Je dis ça, c'est juste au cas où vous avez oublié. Qui c'est ça? Non mais, Guillaume, on s'en fout. Hey, on va aller faire chanter Marwa. Oui, alors, oui, on va karaoké pour chanter. Mais il n'y a personne. Et en plus, Marwa, elle a passé un cap. On va la faire chanter en solo du rock. Plus chaud que jamais. Hotter than never. It's better in English, you know. Et après, on les fera chanter en duo. Ça pourrait être sympa. Il n'y a vraiment personne, quoi. Bon, il est un peu 3h du mat. Mais bon, on est samedi soir. Excusez-moi. On est un peu samedi soir. Et puis le roi du karaoké, c'est quand même notre ami. Tiens, Rieko. C'est quand même notre ami Gaston. Mais non, gars! C'était un roi de boire, merde! En plus, alors je voulais. Ouais, non, tant pis. Il n'y a pas la description du plasma Marie. Invité à dormir. Oh non, mais arrêtez avec. Vous habitez ensemble. Bonsoir, bonsoir. Jouer la sérénade, tiens, tu vas le draguer. Et tu vas draguer ta femme aussi, enfin ta femme. Pas encore, pas encore, pas encore. Envoyez un baiser. C'est déjà pas mal. Oh, ma belle. Maroua, ma belle. Oh, oh oui, Calebou, Calebou. Moi, je t'aime, Calebou. Et lui, on dit qu'il fait coucou, le gars, punaise. Mais c'est pas permis, ça, vous avez pas le droit. Bon, dès qu'il finit, tu vas chanter, Marwa. Faut pas non plus déconner, hein. Yes! 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 Marwa! Shoot! Tu vas quand même regarder la prestation, Oui. Arrête. Je vais essayer de pas chanter les chansons, hein. Je les ai déjà chantées pendant le Bad Challenge. Mais je les aime bien quand même. Tout, 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 tout. Elle a des fans, hein. Vous savez pas, mais je me retiens vraiment de chanter la chanson, hein. C'est pitoyable, pathétique. Oui, vous avez raison. Vous avez entièrement raison. Et tu vas chanter en duo de la pop. Bien sûr, avec Kalebou, hein. Ah, d'accord, on choisit pas la chanson. Oui, bravo, Marwa! Bravo, Marwa! Oh, vas-y! C'est chiant, de la pop avec Kalebou. Ah, les amoureux! Oh mon Dieu, mais c'est pas de la pop, ça! Casse-toi, mec!
C'est pas de la pop, ça, gosse. Non. J'espère que vous entendez bien le son. La dernière fois, j'avais pas mis assez fort. Au niveau du réglage, j'avais pas tout bien. Enfin, je sais pas. Mon Dieu. Pardon. Mais j'avais déjà coché ça. Bon bref, je suis désolée pour les petits screens, les petits chiens. Mais ils sont trop mignons quand même. Même si Caleb il chante très 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 mal. C'est... Oh mon Dieu. Ils peuvent pas enchaîner une chanson? Bon, je suis pas sûre, c'était pour moi, c'était pas de la pop ça. Hein. Bravo! Les amoureux! Ah, si, ça y est, chanter en duo, eh ben, on va chanter une balade alors. On va toujours avec Alebou, hein. Oh, le bisou! Mais qu'est-ce qu'ils sont choupinous! Allez! Une petite balade. Je suis déjà à 100% au niveau du son, donc je peux pas faire mieux. Oh là là. Autant la voix de Marwa, elle est sympa, mais alors la voix de Caleb, c'est... C'est dommage. Hein. Faudrait faire bosser un peu plus Caleb pour que ce soit vraiment mignon. Qu'ils aient le même niveau de chant. Oh, j'adore. C'est trop chou. Oh là là. Caleb, c'est juste une horreur. Tu chantes trop mal. Ah oui, ils ont un fan. Lui, ils parlent tous. Non, ils parlent ensemble. C'est super. Bon, bah voilà, moi je dis bravo les amoureux. Il est 6h45. C'est triste, mais effectivement... Oups. On va peut-être rentrer. Qu'est-ce qui s'est passé? What the fuck? Le mec, il a dragué Caleb? Non, mais c'est impossible, hein. Vous avez quand même remarqué qu'à chaque fois qu'ils sortent en ville, il y a des problèmes. Non mais... Oh 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 oh. C'est quoi? Oh mais non, partenaire volage, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Allez, on rentre à la baraque. Calebou, tu te fais... Tu déconnes là ou quoi? Rencontre embarrassante. Non mais tu vas pas me dire que tu... Rentre chez toi. Voilà. T'as fait assez de carnage. Oh non, mais entre le karaoké où ils sont pas chantés et là, je sais pas ce qui s'est passé. Il s'est fait draguer ou il a dragué. Je n'ai pas contrôlé ceci. Je suis confuse. J'ai toutes mes confusions, vous savez. Alors, il y a une petite fée qui nous a donné 5 simflouz. Hein, comme ça, on va être riche. Bon. Was passiert? Was hast du? Je sais pas, je parle pas allemand, les gars. Je vais pas parler allemand. Oh, merde! Mais va t'excuser, quoi. Mais ta femme, quoi. Ta future femme, la femme de ta life. Tu... What? Ça fait quoi, Caleb? C'est bon, vous êtes plus fâchés? Oh, le love, comment il est descendu? Mais non, quoi. Moi, je suis pas d'accord. Tu vas ramer, mon Caleb. Hein. Ça m'énerve, j'avais réussi à les refaire revenir tout en haut et tout. Ils allaient se marier, il y avait plus d'ambiguïté et tout. Et puis là, une sortie en ville et boum! C'est la cata, quoi.
C'est pas possible, hein. Si c'est pas le couple de l'amour, ces deux-là, moi je sais pas quoi faire, hein. Devenir complice. Tu devrais même pas. Tiens, c'est toi qui vas lui chanter la sérénade, Caleb. Tu déconnes ou quoi, mon gars? Hein? Hein? Bah ouais, mais mec, t'as fait de la merde. T'embrasses? Tu l'embrasses? Mais alors, choupette. J'ai envie de encore tenter pour les chantons, ça m'énerve, hein. Je vous le dis, moi. Faire crac-crac. Bah écoute. Tant qu'elle est pas enjôleuse, tu sauras pas faire crac-crac, hein. Les réconciliations sur l'oreiller, déclarer un amour internel. Internel. C'est sur Internet, mais le Internet éternel. Ouais, c'est internel. Voilà. J'enregistre ça, on est vendredi soir, c'est plus ce que je raconte, hein. C'est fatigué, moi, j'ai travaillé. Chantez une chanson, folk. Brille, 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 petite étoile. Chantez le pont du long de ses croûtes. Non, brille, 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 petite étoile. Allez, on va entendre ta belle voix. Dégueulasse, qu'elle est boue. Ah, ça y est, elle est enjôleuse! Allez, vas-y, fais chanter ta voix. Et vous allez faire crac-crac sur l'oreiller. Oh oui. De l'amour, encore de l'amour. Pourquoi ils veulent des bébés? Moi, je veux pas les bébés. Ah, ça y est, chante. Ah, mais c'est tout! C'est ça ta chanson, Caleb? Tu te fous de la gueule de qui, là? Ah non. Ah mais c'est une comptine ça. Tain, tain, tain. Tain, 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 tain. Merde, c'est quoi ça? Moi je la connais en allemand d'ailleurs, en parlant d'allemand. Et c'est Lancet, oh yeah. Ah oui, c'est la chanson de la BCD là. A, B, C, D, E, F, G, A, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, O, V, Q, R, S, T, U, V, O, V, X, Y, Z, O, Y, Das, ist das Deutsche, A, B, C. Voilà, c'est vieux cours d'allemand 6e, ça, vous voyez, ben. Voilà, alors lui, il a envie de faire crac-crac. Elle, je lui ai dit de faire crac-crac. Ils respectent pas ce que je leur demande, ces Sims. Hein. Voilà, moi je vous fais des petites chansons en allemand et puis eux, bah, ils annulent ce que je leur demande, quoi. Ça devient grave. Moi je dis, j'ai pas de bébé. Pas avant le mariage. Je sais que vous êtes. Certains sont très pressés à ce que je fasse des bébés avec Caleb et Marwa. Moi, vous savez que j'aime bien jouer aux Sims, mais pas que faire des gosses, quoi. J'adore la génétique des Sims, hein, y a aucun problème. Salut, caca, elle fait caca. Mais. Je veux dire, il y a plein de choses à faire. Là, si on est un couple de vampires, c'est. On a toute la vie pour faire des bébés. On pourra en faire 100 des bébés si on veut dire. Oh mon Dieu, me faites me. Me demandez pas à faire le challenge un bébé avec eux. Oh my god. Mais je veux dire, on a le temps. Ça va arriver. C'est pas un problème. C'est juste que voilà, j'ai envie d'explorer d'autres choses, faire des trucs que j'ai pas fait avec eux, faire des aspirations et tout. Je sais pas, moi je les aime, ce couple-là, je les aime. Ouais, c'est qu'un jeu vidéo, mais j'aime Marwa, j'aime Calebounet. Donc voilà, donc vous inquiétez pas, il y aura des bébés, mais avant je vais faire le mariage. Voilà, je pense qu'après le mariage, effectivement, on va en lancer un. Mais ce sera pas avant. Et ce sera pas aujourd'hui l'épisode du mariage, puisque, as you can see. J'ai lu sur internet, on s'en fout. Comment ça s'appelle? Rieko arrive. Oui, donc ce sera pas ici parce qu'on arrive à la fin de l'épisode et faut que je fasse le mariage à une heure un peu tardive de la journée. Sinon, Lilith ne peut pas venir. Et comme c'est une vampire, elle peut pas venir. Elle est jamais venue. De toute façon, même quand il fait nuit, elle vient pas. Parce qu'elle fait autre chose, parce qu'elle dort. Donc c'est un peu n'importe quoi. C'est un peu chiant. Je pense qu'il doit y avoir un petit créneau horaire. On peut inviter les Sims vampires. Après, vous me direz, oui, il suffit juste de l'inviter au truc là. À l'événement. Et elle va venir. Mais non, parce qu'après elle dort en fait. C'est soit elle est vampire, soit elle dort. Donc c'est super chiant. Donc faudrait que je regarde sur internet. Peut-être qu'il y a la solution. Donc voilà, donc pour dire que là, il est dimanche midi et peut-être que le mariage sera dans le prochain épisode. Et je vous le promets. C'est juste que là, voilà, je voulais pas faire un épisode de direct mariage alors que
Ça fait un moment qu'on n'a pas vu les amoureux. On a encore eu droit à une crise. Ils font quand même chier, hein, je dis ça, je dis rien. L'autre, elle boit son verre d'eau, comme d'habitude, Rieko, hein. Non, tu vas l'appeler. Arrête avec ton eau, meuf. Et tu vas raconter une blague sale. Ah oui, mais attends, je veux pas que tu dragues, hein, par contre, attention. Non, parce qu'une crise par épisode, ça suffit, on va pas en faire plusieurs. Tu as exprimé ton admiration. Enfin, voilà, vous parlez, vous parlez, vous partez. Fini ta toile, Marois. En plus, tu fais des doubles. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Franchement. Bon, le pire, c'est que ça reste quand même longtemps, l'histoire du partenaire. Voilà, genre, elle va se marier en étant saoulée et tout. Oh, putain. Ça craint. Je vais attendre que ça se barre, ça, non? Ah oui, j'ai craqué, j'ai fait venir les chats. Je sais. Je sais, c'est chiant. Je sais, je suis chiante avec les chats. Je suis désolée. Je veux des bébés chats. C'est... J'ai plus rien. Je veux des bébés chats avec Nabeshima. C'est comme ça! Eh ouais, et puis pour info, j'ai rajouté des wallpés aussi à... Au bidou de Monsieur Caleb, des walpés sur la face et des walpés dans le caleçon. Parce que monsieur est un homme, hein, on va pas. Non, alors, attends, on va chanter sous la douche avant. C'est un homme et il faut pas se leurrer. Voilà, les hommes, ils ont des poils et quoi. Et oui, si vous le saviez pas, je vous l'apprends. Les hommes ont des poils. Les femmes aussi d'ailleurs. C'est pas faux. Ok, un petit problème. Marois s'est montré sa propre forme sombre là. Et elle est devenue très en colère. Et alors voilà, elle me fait un feu flipper. Et puis là, voilà, je lui ai demandé de se remettre bien. Tiens, il y a monsieur le voisin qui passe. Mais c'est un peu flippant. Elle m'a fait un peu peur là. Je sais pas trop ce qu'elle fait. Donc tu vas caresser le chat. Et ils se font des bisous, non mais. Et... C'est un couple très 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 bizarre quand même. J'ai du mal à comprendre ce qui se passe, moi. Tu t'es fait voler la vedette, mon petit. Tu vois, Caleb a dragué des bonhommes dans les bars, et ben. Ben voilà, nous on préfère aimer les chats aux hommes, hein, c'est comme ça. C'est tout comme ça. Regardez comme il est mignon, ce petit chat. Ce petit chat. Et Nabeshima, elle n'a pas regardé de près depuis qu'on a un nouvel ordinateur, trop de la boulette. Que je me gourre pas. Regardez-moi cette petite chatounette. Elle a encore joué avec sa queue. Elle est un peu con-con, hein, on va pas se cacher. C'est pas un prix Nobel, hein, mais bon. Et puis, on va demander. Elle est où cette saleté? Elle est là. Oh oh, mais dites donc! Mais tu vas venir te reproduire, toi, avec la canaille. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Ah, t'as les crocs, Marois. Bon, bah, tu vas boire après. Ah, il chante! Oh, c'est trop chou. Avec sa petite bouille, là. Ouh, tout, tout, tout. Alors, je ne vais pas vous cacher, hein. Je savais que je suis obsédée avec les chatons. J'ai foutu un chat chez les voisins. J'ai foutu un chat chez les voisins ici. Pour l'instant, bah voilà, on les a pas vraiment rencontrés. Moi, je sais à quoi ils ressemblent, mais pas vous. On verra. On verra bien. Bon alors, est-ce que Nabeshima va nous faire faire des bébés? Je pense pas, hein. Je vous ai dit, j'ai perdu un peu l'espoir à ce niveau. Caleb, il essaie de se rattraper, il dragouille. Alors, est-ce que les petits nounouchons, ils vont faire des bébés chouchous ou pas encore? Non, ils s'aiment toujours pas. Bon, ben voilà, c'est réglé. C'est réglé. Allez, il est 16h40 à Sims dans l'épisode. Moi, j'en suis à presque 25 minutes d'enregistrement. Donc voilà, c'était l'épisode où on retrouvait notre couple d'amoureux. J'espère qu'elle va être plus en colère. Je sais pas, je vais essayer de.
Tu vas prendre une douche froide, non? Tu es sous la douche, comment? Oui, bah prends une douche, et puis voilà, ce sera pas mal. Et normalement, j'espère, mais bon, elle sera quand même en colère, donc ça m'énerve, qu'on pourra passer au mariage à l'épisode prochain. Voilà. Elle est chelou, des fois, elle est très en colère, en fait, ça me stresse. Peut-être que je vais repousser le mariage à une journée. En tout cas, je vous laisse, moi, je vous remercie de m'avoir regardé pour cet épisode. Je vous remercie, je vous fais des très très gros bisous, et donc à très très bientôt. Ah ah! Salut!